Bonjour Gouget, quelles sont les dernières innovations chez Mapper? Bonjour, on a annoncé sur le salon Big Data la version 5.1 de Mapper avec la partie stream qui se trouve sur les messages clés sur notre stand. La partie Mapper Streaming qui permet d'intégrer directement sur le système Mapper, MapperFS, les streams avec une API via Kafka, compatible Kafka. Ce qui permet d'intégrer sur la même plateforme l'existant, la partie fichier qu'on avait déjà, la partie MapperDB et la partie stream sur un même socle pour pouvoir justement anticiper après l'analytique sur les couches plus hautes de l'architecture. Ça, c'est une des annonces qui a été faite lors du salon Big Data à Paris. Où en sont les projets Big Data aujourd'hui? On se rend compte sur les contacts, la qualité des contacts qu'on a maintenant sur le salon, que les clients en France sont très matures, des projets très matures et avec des cycles, je dirais, de projets avancés. Les clients ont recherché des fonctions justement de mise en production, ce qu'on ne voyait pas forcément l'an dernier dans des questions qu'on a pu avoir sur le salon. Et on a vraiment une recherche de mise en prod avec des SLA, la sécurité, et surtout de la sécurité, de scalabilité et de passage sur des environnements IT importants. Et quelle est la relation entre Mapper et Talen? On a toujours une très bonne relation avec Talen, on était pas très loin sur le salon et on a la version 6 de Talen avec la partie Spark, c'est un des points clés de distribution. Un des gros focus pour nous, la partie d'intégration avec Spark. On a la Spark 1.5.2 aujourd'hui et bientôt la dev preview de la 1.6 supportée par Talen et on a également une sandbox, donc on a des actions communes et nos clients communs peuvent justement faire des tests rapidement avec des outils mis en place par Mapper et par Talen sur la communauté.